Un bref rappel sur les dosages colorimétriques avant de finir la correction des exercices. On avait fait l'ETP sur l'eau de Daquin. Vous vous rappelez qu'il faut connaître donc la loi de Beer-Lambert. Vous pouvez appuyer sur pause quand vous voulez. Vous pouvez aussi accélérer la vidéo. Voilà donc la droite que nous avions obtenue. Et par lecture graphique, on connaît l'ordonnée, c'est-à-dire la valeur de l'absorbance de notre solution inconnue, et on peut donc en déduire l'abscisse qui se trouve être la concentration. Ça peut être aussi en millimoles par litre ou en micromoles par litre. Et on avait aussi calculé l'écart relatif, c'est-à-dire le pourcentage d'erreur. Vous savez que quand c'est inférieur à 5%, tout va bien. Mais vous êtes capable de lister les différents objets ou ce qui a pu se passer pour expliquer un pourcentage qui serait bien supérieur à 5. Si vous additionnez l'incertitude sur la mesure à l'aide d'une pipette, d'une fiole jaugée, etc. Ensuite, il y en a certains qui ont fait l'ETP, donc antichlorose, avec le fer et le permanganate de potassium. Vous avez là, par contre, le schéma du montage d'un dosage colorimétrique. Vous avez la burette, la solution titrante, c'est celle qui est en haut. La solution titrée, c'est celle qui est en bas, dont on ne connaît pas la concentration. Vous avez donc le barreau aimanté, l'agitateur magnétique et le support. Pour réaliser un titrage colorimétrique, vous avez les différentes étapes et les différentes relations. Les calculs, il faudra bien les revoir. Au niveau de la synthèse, n'oubliez pas que on a dans l'herlène, le volume est connu puisque vous l'avez prélevé à la pipette. La concentration est inconnue, c'est ce qu'on cherche. La plupart du temps, c'est au sein d'un contrôle de qualité. Les techniciens dans les laboratoires en font très régulièrement. Les laboratoires pharmaceutiques sont aussi obligés. Donc il n'y a pas que dans l'agroalimentaire ou pour certains produits comme par exemple un engrais pour vérifier que la concentration soit bien la même. Vous comprenez bien que pour les médicaments, c'est très, très important. La concentration est inconnue et par contre, on connaît tout. Le volume équivalent va correspondre à VB, par exemple, ça peut être V2, ça peut être V équivalent tout simplement. Et la concentration de la solution titrante, celle qui est dans la burette, est aussi connue. C'est normal, vous allez avoir une relation, il faut bien avoir une relation, une inconnue. Donc là, vous devez déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution en effectuant une réaction chimique. Vous avez le réactif à doser, le réactif titrant. De ce côté-là, vous avez bien tous les rappels. Il faut savoir donc faire le schéma et bien indiquer avec les bons symboles des grandeurs toutes les données numériques ou les données qu'il va falloir trouver. Au début du dosage, le réactif titrant est entièrement consommé. Le réactif titrant est alors le réactif limitant. À l'équivalence, vous vous rappelez que le réactif à doser devient le réactif limitant. Après l'équivalence, le réactif titrant n'est plus consommé, il s'accumule alors dans le Bécher. Et c'est lui qui va imposer sa couleur s'il est coloré. Comment repérer l'équivalence? Donc par des mesures physiques, ça c'est ce qu'on a fait avec Daquin. Et aussi non, comme ça s'appelle un dosage colorimétrique, c'est un changement de couleur. Bon, pour les ECE, l'évaluation des compétences expérimentales, il faut que vous sachiez utiliser une pipette. Il faut savoir faire une solution s'il y a besoin. Il faut savoir préparer la burette. Le premier Bécher, c'est de l'eau, c'est pour ça que la couleur est bleue. Ensuite, donc un exemple de schéma. Alors ça, c'est un stylo conductimètre que vous n'aurez qu'en terminale. Donc là, il y a du spoil. Et la difficulté du chapitre, c'est écrire l'équation équilibrée. Si c'est une équation d'oxydoréduction, il y a tout à écrire. Le tableau d'avancement, si on vous le demande à l'équivalence. Et aussi, si vous n'avez pas le tableau d'avancement, dans ces cas-là, il faudra établir la relation entre les quantités de matière initiales. Maintenant, passons aux exercices. Celui-là, nous l'avions presque fait en classe et je vous ai mis le corrigé sur YouTube. Ensuite, le 51. Donc, vous appuyez sur pause. Normalement, vous l'avez fait à la maison et vous allez vérifier. Surlignez bien tous les mots importants, c'est-à-dire que là,
c'est ce qu'on veut vérifier. Toujours pareil, hein, c'est un contrôle qualité. Par comprimé, pour vérifier cette valeur, donc vous lisez l'énoncé, vous allez voir qu'il y a des mots importants. Ensuite, il y a différentes opérations, parce que là, vous allez avoir donc une première dissolution, et là, vous avez une dilution. Donc, il faudra faire attention. Ensuite, vous avez une première réaction qui est importante, parce qu'on vous dit que c'est une couleur rouge. Donc déjà, ça doit vous donner une indication de ce qui va se passer à l'équivalence. Ensuite, vous avez un tableau. Donc là, déjà, vous commencez à vous dire que il va falloir appliquer la loi de Bierlanger, donc pensez au TP sur d'Aquin. Au niveau des réponses, donc vous appuyez sur stop, vous vous rappelez que tout ce qu'on appelle donc couleur complémentaire, c'est quand on mélange les deux lumières colorées et que l'on obtient du blanc. On le reverra ça dans un de nos chapitres, hein, plus loin. Mettre en jaune. Donc, quand vous avez un mélange qui est rouge, vous voyez que il va s'associer donc avec du cyan pour donner du blanc. Donc la couleur complémentaire étant le cyan, on va sélectionner sur le colorimètre quelque chose proche de 500 nanomètres, ce qui justifie l'information dans l'énoncé. Ensuite, on vous demande de tracer A est égal à F de C. Donc ça, il faut que vous le fassiez, soit avec régressie, soit avec du papier millimétré. Vous devez trouver le coefficient directeur de la droite, parce que vous savez que c'est une droite linéaire. Deux possibilités, soit vous prenez un point de la droite et non pas un couple de valeurs du tableau, parce que c'est expérimental, donc il faut être sûr que ça corresponde à la droite. Soit sinon, vous demandez à votre calculatrice de trouver le coefficient directeur de la droite. Vous avez aussi la possibilité de calculer pour plusieurs points et de faire la moyenne de A divisé par C. Ensuite, vous devez trouver la concentration et donc là, on recommence. Donc par lecture graphique, ça vous avez l'habitude, cette étape-là. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une dissolution suivie d'une dilution. Et à ce moment-là, vous avez des coefficients à utiliser. Pardon. Et vous vérifiez que le résultat est conforme à l'étiquette. Vous appuyez sur pause et vous essayez de comprendre toute la méthodologie. Parce que autant ici, on trouve très facilement la concentration, mais vous devez arriver à vérifier combien il y a d'ions F2+, et surtout définir, trouver cette masse, de vérifier que ce n'est pas 80 mg par comprimé, là on a trouvé 78. Mais le pourcentage d'erreur étant inférieur à 2,5%, tout va bien. Voici l'exercice 54. En premier, vous prenez le surligneur. Une fois que vous avez surligné les données numériques, vous regardez le protocole et vous essayez de bien comprendre toutes les étapes. Quand on broie un comprimé et qu'on va le mettre dans une fiole jaugée d'un litre pour le dissoudre, donc là c'est une dissolution, suivie après, vous prélevez donc 10 ml de cette solution, vous les introduisez dans l'Erlenmeyer. Donc là, je vais réécrire ici, quand j'ai marqué dilution, c'est-à-dire qu'on dissout, voilà, c'est une dissolution. Ensuite, donc, vous savez qu'on prélève que 10 ml de cette solution, et vous savez qu'il y a un comprimé de 500 mg dans ce litre. C'est très important. Ensuite, vous voyez qu'il y a une deuxième réaction. La réaction, donc, avec le diode. Et le diode qui est en trop, on se débrouille pour qu'il soit un réactif en excès et on va doser le diode en excès. Et c'est le tour de passe-passe de l'exercice. Donc à partir d'ici, ça va commencer à être
un peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'il faudra bien suivre que vous compreniez les différentes étapes. Là, vous répondez, vous avez la réponse à ces questions. Vous appuyez sur pause et ça, vous êtes capable de le faire tout seul. Vous faites juste attention aux données parce que j'ai essayé de respecter ce que indiquait votre livre, alors que ici, c'est ce à quoi ça correspond, c'est-à-dire la quantité initiale de I2. Mais dans votre livre, enfin dans l'exercice, il l'appelle N2. Hein. Ça, c'est donc la réaction de dosage. Donc après les questions classiques. Et c'est à partir, donc le 3, c'est l'équivalence. Là, vous appliquez le cours. Hein. Et à partir du 3B, c'est là où il faut vraiment que vous repreniez bien l'exercice pour comprendre ce qui s'est passé. Dans l'exercice d'avant, on avait juste une dilution. Tandis que là, ici, on dose un deuxième réactif. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Ensuite, après, il ne faut pas oublier que vous avez mis de la vitamine C qui était donc dans 10 ml de solution. Et il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on veut, nous, c'est la masse de notre comprimé de vitamine C. En sachant que théoriquement, c'était 500 mg. Là, ici, on calcule donc l'écart. Vous appuyez sur pause. Comme ça, vous avez le temps de lire. Vous voyez que c'est inférieur à 5%. En ce qui concerne la question 4, j'ai fait assez lapidaire pour qu'il y ait, parce que vous avez la difficulté qui est avant. Là, après, de savoir, c'est surtout des surestimations de valeur qui tiennent compte aussi de la précision des résultats. Et c'est fini !